Moi-même, jusqu'à présent, nous avons un référendum. Parce que moi, capable de dire, nous gagnons tout matériel qui est déjà là, sous place. Nous gagnons un centre de vote qui est déjà là. Nous gagnons tout ça nous besoin pour le référendum dans le fait. Si le référendum n'est pas fait, ça ne va pas dépendre de nous. Parce que nous-mêmes, au niveau du conseil électoral, nous travaillons vers le référendum nan, et pour nous aller directement dans l'élection. Tout ça, nous avons pour nous faire, qui nous permet que la consultation populaire, qui serait le référendum nan fait, nous la donne. Effectivement, nous reportons le jour de scrutin, mais ça ne veut pas dire que nous campons le travail sur ce processus-là. C'est sûr que nous gagnons représentants en différentes directions ici, là, qui ont ensemble d'activités. Effectivement, activité formation, yo, vient une petite crasse ralentie par rapport à quantité de monde pour nous mobiliser. Mais c'est certain que nous continuons de travailler, nous continuons à avancer. Et le référendum, nan, nous passons sous peu, nous avons communiqué toute population, il y a une date qui est possible pour le référendum. Nan fait, c'est ça qui fait qu'on y a tout, nous travaillons sur un protocole. C'est un protocole sanitaire qui a fait des concerts avec cellules scientifiques là, qui pour dire si référendum, si COVID là, continue à monter, qui position a adopté, parce que nous pas capable de dire tout, parce qu'il y a COVID là, nous avons quitté tout restant sans nous pas faire, sans nous pas faire référendum, ni sans nous pas faire élection. Nous avons gardé des scénarios avec le COVID, avec la COVID ou sans COVID. Ça veut dire n'a pensé non jou k'ap vini yo n'a gagné pour nous communiquer public là, mais qui stratégie conseil électoral là lui-même li mette en place et avec suggestion bien conseil cellule scientifique là n'a dit mais 1 2 3 4 avec COVID là mais qui côté n'a pied sans COVID là mais qui côté n'a pied. Est-ce que tout matériel sensible et non sensible qui était de arriver dans le cadre du référendum là est déjà arrivé? Nous pas gain l'autre cargaison n'attend encore? Oui, nous gagnons un dernier cargaison n'attend. Ça veut dire matériel qui nous gagnons pour matériel qui vient pour 9 départements. Matériel qui vient pour 9 départements, c'est matériel sensible. Là, nous dit matériel sensible, c'est procès-verbal, bulletin, etc. Ça veut dire 9 départements yo déjà là en Haïti. Nous gagnons 18 juin pour nous recevoir pour le département de l'Ouest. Vu que le département de l'Ouest te gagné des petits retards par rapport avec des communes qui ont problème que tout le monde dans la population connaît, que nous t'es obligé pourtant en plus pour nous chercher l'autre alternative pour permettre que nous jeunes des centres qui plus approprié pour mon voter et pour voter dans sécurité, que ça te permette que nous te voyons donner ça un petit classe en retard, que nous même n'a recevoir dernier cargaison pour l'Ouest là 18 juin. Mais en gros, tout ça pour nous même nous te fait, tout ça pour nous mettre en place, tout est déjà OK pour nous capable respecter date là. Normalement date qui était plus bon pour nous c'est 27 juin. Parce que nous-mêmes, nous sommes prêts pour le 27 juin. Si la menace COVID n'est pas là, et puis tout, bon, peut-être qu'il y a tout. Le fait est que nous avons une menace tranquille là, nous devons regarder quelle stratégie pour faire avec la COVID ou sans la COVID. Et sur le plan international, le président Joe Biden, qui est actuellement trouvé en ville de Bruxelles, en Belgique, côté la participer dans le sommet G7, non pas G7, à le sommet de l'OTAN. Et après, fin participer dans le sommet G7 là, sommet 3 jours qui t'a déroulé un petit peu au sud de ville Londres. Côté li remporté tout avec l'idée yo pour engagement pour combattre pandémie COVID-19 là et puis fait façon pour éviter que pandémie ça pas répéter encore. L'idée pour engagement tout pour yo bail et pays en voie de développement yo plus passer 1 milliard doses vaccins pour aider lutter contre la pandémie. Et bon, militants ont même dit que ça pas suffit, ils ont besoin pour lever droit de patente surtout, qui devant l'Organisation mondiale et commerce, pour permettre que pays en voie de développement, alors que pays en voie de développement qui a moyen pour que eux-mêmes fabriquer
propre vaccin par eux. Ça, c'est ça, militant, on dit. Et sous plan, climat, sous changement climatique là, et pays G7, yo, renouvelé engagement qui ont été quittés, campés pour provisoirement, et puis ont été baillés 100 milliards de dollars, et comme fonds pour aider pays pauvres, yo, ou bien d'autres pays, yo, faire face avec le changement climatique là. Donc, yo, prend engagement, mais pas un engagement qui ferme, excepté le Canada avec l'Allemagne, qui au moins présenté un chiffre que eux-mêmes quand c'est comme il y a bail chaque année. Et puis bon, ça c'est ça. Et puis bon, l'idée eux, ils ont profité de l'occasion tout pour identifier la Chine avec la Russie comme pays qui sont censés d'abord pour la Chine pour demander le suspendre et pour faire violation de la monde. Gain tout la Russie qui par même G7 qui était laissé bon elle était membre de G8 mais après que le fin annexé et Crimée avec la Russie et ben ils ont mis dehors quand on y a retourné dans G7 là mais la Russie lui-même tout il identifié comme pays comme une sorte de qui ont un comportement qui a déstabilisé le monde surtout avec et attaque cybernétique a fait et puis tout. Et non seulement l'attaque cybernétique a fait tout, mais il y a tout l'autre action que le gouvernement russe a pris, mais ni la Chine ni le gouvernement russe. Mais par exemple, pour la Chine, en réaction, la Chine dit que l'époque côté et le monde t'a dirigé, c'est ton petit groupe qui t'a dirigé le monde là, mais il dit pour que ça allait finir. Donc, il y a c'est pour tout le monde entrer dans le bail là. Et là aussi, tout lui-même, il restait accusation comme quoi il a mis la guerre sous dos pour dire que lui-même, il cherchait à déstabiliser la planète là. Et puis, il y a un nouveau gouvernement en Israël. Après 12 ans, et Benjamin Netanyahu fait abdiger Israël comme premier ministre. Eh bien, bah, il a changé, mais il y a un autre nouveau premier ministre. Ça passe dimanche, mais ce n'est pas facile, non? Et on voit qu'il était vraiment serré, et puis le premier ministre israélien était toujours dit ancien. Ancien premier ministre a dit que c'est pas trop facile, il va mettre de la terre facile comme ça. Et il était vraiment, mais quand même, il a mis la terre, et le monde qui a remplacé là, c'est Naftali Bennett. Alors Naftali, après, c'est pas son garçon relé. Donc Naftali Bennett, c'est le nouveau premier ministre israélien. Donc, votre la fête hier, et ça t'a parlé, depuis semaine passée, on t'a parlé nous de ça, de tentative qui t'a fait pour te mettre la terre, bon finalement ça finit par fête quand même, et donc, bon nouveau premier ministre actuellement en Israël. Donc, on va voir qui ça fait la porte, mais ils sont qui tellement de l'argent, même cheveux, c'est l'argent, tellement de l'argent. Donc, c'est ça veut dire. Donc, c'est une société non typatique, mais qui font une coalition qui est censée et puis fort et qui est capable de capoter et Benjamin Netanyahu après 12 ans de faire comme premier ministre. Mais Benjamin Netanyahu, ancien premier ministre, dit que l'y aller, l'a tourné. Donc il dit que ce n'est pas facile du tout. Mais on connaît. Eh bien, c'est ça, nous parler. Eh bien, Nabdou, si nous parlons de d'abord, le président Joe Biden qui est actuellement en Belgique pour au sommet. Et l'OTAN, il y a des déclarations qui ont fait tout après ça, et puis ensuite, il a pas mis des têtes directement pour ville Genève en Suisse, côté le pas rencontré, côté le pas participé dans un sommet avec le président, et on se met en prime, on a payé après ça, quoi, dans un sommet ça, avec le président Russia, Vladimir Poutine. C'est un sommet qui a grand pile, suspens ça, parce qu'il y a pile bagaille qui peut le dire dans un sommet ça, et le président Joe Biden a dit lui-même qu'il n'a pas fait le président Poutine aucun cadeau pendant ce sommet. Il a dit qu'il n'a pas dit et il a dit lieu dans ce moment. Là. Donc, je suis pour le sommet ça est fixé pour l'air classique dans ce salio. Donc, le président Biden dit que c'est mercredi le sommet a déroulé. Donc, c'est pratiquement son semaine, une longue semaine que le président Biden a gagné dehors. Depuis que les sorties fait pour les sorties, mais sont longues sorties que liées, contrairement à l'entente qui est passée. Et nous parlons en Haïti, bon, bah là, pas de tout, bah là, tout, affaire à tout dominer,
avec actuellement, d'après dernières nouvelles qui viennent là, en fait, nous sommes même sur un radio, un confrère même qui se Bali en direct, qui se lance appel, monsieur Améo, Negame prend contrôle zone, en fait, pour qu'on mette tiré dans zone aéroport. Donc, tir a fait là et n'est occupé l'arrière avec gros âme dans main. Alors, monsieur homme d'affaires qui déjà était descendu, vient ouvrir l'affaire, mais après, la police pour venir voir dans qui mesure qui est capable de venir de haut parce que n'est prend ses pendant. Et puis, balle continue à tirer, par exemple, les balles à sortir. Mais, mon témoin, d'après sa confrère l'a dit, mais témoin dans toute l'arrière, fait qu'on est que n'est pas avec âme qui a tiré qui occupé l'arrière. Et nous connaissons route aéroport, son stratégique lié. Et son autre qui met directement à l'aéroport, donc ça veut dire qu'on paquet de monde qui va, monde qui est en voyage, monde qui est pour partir, monde qui a rentré, donc, qu'à comprendre qui tension que ça crée parmi le secteur d'affaires, surtout pour monde qui a besoin de voyager. Donc, c'est situation, c'est ce matin, et puis pendant le week-end, là, t'es gagné quelques, les gars, mais tout, t'es pas en contrôle de commissariat, t'es pas en contrôle commissariat, et commissariat, sous-commissariat pour police qui est dans la cité solaire là, et puis t'es pas en contrôle tout, sous-commissariat qui est dans Saint-Joseph là. Donc, un dernier tweet que la police nationale là, n'a pas pour qu'il soit célébré 26e anniversaire, qu'il a salué, qu'il a dit au bon anniversaire tout. Eh bien, monsieur, il a sorti une note là sur le compte Twitter, puis il a dit il reprend contrôle et commissariat Saint-Joseph là. Et dans notre là, il dit son groupe est armé, les crachés d'IFE, qui était pour contrôle et commissariat, mais il prend contrôle là. Et il dit que dans des échanges de tirs, il y a des échanges de tirs côté gain dans Negameo qui est tamoué. Mais nous n'avons pas de chiffre, il n'y a pas aucun chiffre dans notre que il sorti. Il fait sortir notre là pour annoncer que il prend contrôle là. Et il prend contrôle commissariat. Mais il n'y a pas aucune nouvelle sur commissariat. Cité Soleil là qui en bas contrôle Negameo. OK. Et nous te rappelons que directeur police nationale là et monsieur Léon Charles était dans cet appel par population pour te demander lui pour t'écouter mais bail pour aider police et police pas capable encore. Donc aider police à combattre sécurité là, aider police à croiser bandi tout bail ça, mais entre temps n'a dit que monsieur Améo tout yo prend compte yo courir des monde qui était dans entre chute capitale là, mais monde obligé à prendre refuge dans l'église, place publique et dans centre sportif qui dans carrefour à côté que c'est là une porte refuge. Mais il y a monde qui dans s'appelle dit oui, mais pas quitter monde qui était dans centre là parce que plus sécurité là, c'est plus tendance priorité là préparer tout d'un côté sociétal et plus que après était là, donc c'est pour autorité faire façon pour permettre que Mounio retourne la caille. Il y a un pile dans Mounio qui perdu, qui caille boulé, qui n'a aucune priorité. Donc c'est pour l'autorité prendre des dispositions pour que permettre que la population retourne côté de sortir. Au lieu que nous quittions un côté pour nous faire manger, nous en fait, c'est eux-mêmes profiter. Ils disent que si vous êtes là, vous pensez que l'autorité a plus attention, c'est vrai. Mais ils disent qu'il faut que l'autorité remplit les conditions, permettre que les conditions sécurité à les plus bons pour que nous puissions retourner côté retourner la caille. Donc c'est là et puis que COVID-19 là continue à faire parler de lui. Et bah là puis sérieux chiffre nous tendait nous dans mon après les mais si chiffre là arrive puis il y a parlé de 200 combien de monde qui était cité par jour non c'est de côté. Donc quand c'est monde qui mourit que monde connaît qui mourit de COVID-19 là, et bien quand c'est caillou, il y a augmenté. Autorité de la santé a demandé population, demandé tout le monde de bouger les symptômes, chercher et assistance médicale, à faire test pour qu'on ait exactement sous-gain test là, sous-gain virus là ou pas, ou bien c'est négatif ou bien positif. Parité la caillou, après remède seulement, je ne pas dire pas remède non, mais parité la caillou, aller au docteur, aller faire test, il y a plusieurs côtés pour ça. Par exemple, dans la zone, dans Okaï, par exemple, la situation pas aussi simple. L'autorité a ouvert quelques côtés qui étaient déjà. Côté qui était un sanatorium qui était fermé, il faut ouvrir les pour accueillir les gens qui ont une pandémie. Il y a une zone dans le fond des blancs, tout. Côté qui a un pile 4 ou, il y a ouvert l'hôpital pour accueillir les gens. Cependant, dans n'importe où, il y a une sorte de saturation parce que
il y a 5 hôpitaux pour plus petits qui ont annoncé ça pendant longtemps que eux-mêmes ils n'ont pas qu'à recevoir monde encore qui a une pandémie COVID-19 là et ils ont demandé et pour ne pas venir parce que par un côté plus accueillir. Donc il faut qu'on fasse effort, il faut que l'autorité fasse ça qu'on est pour voir dans quelle mesure qu'on pouvait l'autre sans pour accueillir monde qui est malade. Donc c'est l'hôpital public, c'est votre gain sur l'utilité de ces problèmes d'oxygène. Donc l'État baille chaque hôpital, dans chaque département, il y a un appareil pour fabriquer l'oxygène. Et appareil, ça est capable de fabriquer entre 5 à 10 bonbonnes d'oxygène par heure. Et chaque hôpital qui est dans le département recevra une. Il y a USAID tout qui offre près de 50 et appareil tout, bon, nous par contre qu'il y a un appareil ça qui est en distribution pour le fait, mais au moins il dit que quand c'est ça il est disponible. Maintenant jusqu'à présent Haïti pour commencer programme vaccination population, raison parce que pour recevoir vaccin que et programme et OMS là ou le programme Nations Unies COVAX là mettez sous pied malgré des promesses qui faites plusieurs pays dont les États-Unis offrir récemment là, d'ici fin mois juin, la baille 80 millions de doses vaccins. Ça, c'est en partie, en plus de quantité de ça que se promettent, 500 millions de doses vaccins. Président Biden se promet pendant le sommet et que se fait là, et se participer là en dehors de l'homme, avec les pays du secteur. Donc, c'est dans ça nous y est. Donc, pas gain. Donc, il y a demandé pour la population entre temps continuer à suivre, observer mes barrières, tant que mes distances sont avec le monde, mettez masque, mettez un peu de monde à Babi, on dit, à faire masque, pas bah, ouais, du tout. Presque pas ici, on a toujours été une sous l'autre, on monte machine une sous l'autre. Donc, on dit que ça, c'est signe pour augmenter. Pour propager le virus là plus toujours. Et pour ça concerner le gouvernement, président et Jovenel Moïse, et lui-même dit que la question élection, bon, il y a un pile signe qui montait à faire élection. Il y a un pile signe qui montait que, en fait, c'est même. Un responsable dans le PHTK, Patrick Souba, même qui dit que il y a un pile possibilité que l'élection ne doit pas capable de réaliser dans tant que vous demandez. Dans tant que vous dites, par exemple, 7 février 2022, pour que ta composition élu, vu étape qui de franchit, étape qui de franchit pour l'élection, vous faites tout ça qui marche à suivre de fait, même les tout bas, vous avez sous déjà, le gouvernement pour fixer une date encore, parce que vous avez été renvoyé au référendum. Nous rappelons que les États-Unis disent qu'il n'y a pas de référendum. Et le fait gouvernement, ça c'est une déclaration. Et chef diplomatie américain débat devant le Congrès, devant la commission du Congrès. Et il dit que les États-Unis pas d'accord avec le référendum. Non. Et il fait autorité haïtienne. Il connaît que les États-Unis pas d'accord avec le référendum. Non. Bien que le président Moïse dit lui-même, a gagné un référendum. Il n'y a pas qu'à fixer date là, et même membre gouvernement dit tout, Mathias par exemple, Mathias Père ingénieur, et bien il me dit que nous avons fait un référendum seulement renvoyé parce que quand c'est qu'à COVID-19 il va augmenter, donc le fait qu'il a envoyé là, pas veut dire qu'il n'a pas annulé, alors que Mouniab dit non, c'est pour officiellement, et le gouvernement dit qu'il a annulé le référendum. Mais le gouvernement, pourquoi annuler le référendum? Donc toute tentative, il veut dire qu'il a toujours fait lui, donc nous avons gardé, mais il n'y a pas qu'à publier une date pour calendrier électoral. Et pour Michel Leroy, nous avons quitté gagné 2 semaines de débat, les bails tête pour lui, et bails, on compte rendu, bails, président, commission, président et conseil permanent Leroy. Bon, en tout cas, des présidents, et en fait, représentant des États-Unis dans l'OEA lui-même, il prend devant et lui-même fait surtout une déclaration. Immédiatement après le soutien en Haïti, il fait une déclaration pour dire que même les États-Unis demandent tout acteur concerné, pour les mettre ensemble pour organiser l'élection à Nessa en 2021. En réponse, acteur qui lui parle, mais lui-même dit que il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élection, il n'a pas dit qu'il n'y a pas besoin d'élection, mais d'abord,
président Jovenel Moïse que yo dit que président Moïse qui censé yo problème, et bien il faut d'abord yo débarrasser le président Jovenel Moïse d'abord, ensuite il y a parlé d'élection. Ensuite il y a parlé. Donc jusqu'à présent nous en trouve toujours États-Unis nous bagaille, qui est une question qui pose tout, qui ça va passer si ou bien qui ça États-Unis a fait si pas d'élection, si élection pas ta organisé en 2021. Donc c'est toujours question qui pose sous question hein, pour qu'on ait et qui côté nous y est, parce que jusqu'à présent acteurs qui ont pu faire, même si on rencontre avec l'OEA, ils ont même dit qu'ils n'ont pas discuté de questions électorales avec l'OEA. Ils ont expliqué la situation terrain d'abord, situation, conditions qui sont terrain, hein, que le mandat président Jovenel Moïse fini et que l'idée de mettre pouvoir pour qu'ils puissent faire élection. Ils ont dit qu'ils n'ont pas faire l'élection avec deux facteurs, d'abord conseil électoral provisoire qu'il a, il va avoir l'élection avec, et deuxièmement, il va avoir l'élection avec le président Jovenel Moïse. Donc, nous marrons, et le président Jovenel Moïse, encore, il a, depuis 7 février, il a toujours. Donc, il n'a pas avancé, et plan, toujours va avancer, toujours. Donc, nous, n'attendons pas, ouais, qui ça qui va passer. Et, oui, il y a un monde qui m'a dit, oui, Jacques Lévin, 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 waouh, El Pita, mais là, il n'a pas là. Donc, Lila. On va demander de côté Jacqueline. Lila. Eh bien, nous pouvons parler. Et puis, on a dit que Odette Wafonboin célébrait son 4e anniversaire hier. C'est Goba, oui. 104 ans. Odette Wafonboin. Il célébrait son anniversaire hier, 13 juin 2021. Maintenant, nous la cap vivre là, ça là. Moi-même, t'as souhaité, t'as joué à moitié là-dedans. T'as content. Et dans l'autre nouvelle, nous gagnons, on t'a parlé encore après ça, et puis nous avons fait un petit peu de sport. Et Fédération football haïtien, bon, monsieur football haïtien, exception nationale haïtienne, nous perdons devant Canada. Nous perdons 1-0. C'est une défaite et une défaite. Ah. Et nous pouvons bah là beaucoup fini. Nous avons chance toujours. Nous allons jouer avec Canada, match à jouer dans Chicago. Donc ça veut dire que Canada toujours a joué en déplacement. Même si c'est le Kabaki, match à mettre en déplacement là. Donc ça veut dire que nous, même si on fait bon à 0, nous avons bali 1 à 0. Si match a fini 2-1, Haïti a qualifié. Donc, vous comprenez la motivation, monsieur. C'est-à-dire que le Canada est venu motivé avec une victoire 1-0 pour aller battre l'équipe de la KLI. Donc, là, on va rencontrer avec le match victoire. Le Canada a besoin de match nul pour continuer la compétition. Et nous-mêmes, nous avons besoin de victoire 2-1 pour nous continuer pour la compétition. Donc, ce n'est pas un match à venir à Chicago. Il y a des difficultés pour quelques joueurs. Il y a des sautés même. C'était 4 jeunes sélections qui manquaient par une visa. Puis ils étaient partis. Et 4 joueurs, c'était Johnny Placide, gardien. Net sac sauvé, sauvé sélection pour ne pas prendre plus de goal. C'était tout Alex Christian, c'était Carnegie Antoine et puis Martin Expérience. Mais monsieur Sayo, pas d'avoir une visa parce que il dit que le temps qu'il a fait en Haïti, il n'y a pas de 14 jours. Donc il n'y a pas qu'à aller aux États-Unis. Mais on connaît. Chef c'est chef, grand chef c'est chef, autorité entendue. Bon, finalement, il y a une intervention de pouvoir intervenu. Bon, il y a trois là-dedans. Il y a trois là-dedans qui ont une visa. Il y a un grain qui parvient, c'est dernier de dino là, c'est Martin Expérience. Donc, monsieur, parce que monsieur est entré en Haïti jeudi. Donc, il dit, bon, monsieur, il fait venir lui-même, il pas bas, donc il n'y pas fait partie de la sélection. Donc, nous allons jouer au Canada. Mes amis, tout le monde connaît, section li motivé, li dégagé li. Mais monsieur, il n'y a pas un goal depuis, non, peut-être avant 15 minutes, il n'y a pas un goal là. Après ça, il y a une formation, qui est peut-être avec Canada, qui est peut-être pour être au moins égalisé. Bon, il n'y a pas marché. Mais c'est pourquoi la fin toujours. Gagner dans le même groupe, ça, toujours là, l'autre équipe qui gagne pour rencontrer toujours, gagner un match. Et Panama a bien démarré, bah, et Panama a calé Curaçao dans le match par la tour, et puis il y a tout Salvador qui a osé, bien osé, l'équipe Sekitien Nevis là. Donc l'équipe ça a bien parti favori là. Donc dans le match retour là, en plus de match Haïti avec Canada qui a vu à 9h du soir,
mais a gagné déjà Mascua sous capacité Panama et puis gagné Salvador lui-même capacité Sekit et Nevis trois places et ces trois places ça qui peut ajouter sous cinq autres équipes qui déjà qualifiées pour jouer grande finale là n'a pas eu de Qatar 2022 donc c'est l'équipe qui déjà qualifiée déjà d'officieux donc qui bénéficie tout bayou c'est États-Unis Mexique Jamaïque gagné Honduras et puis Costa Rica. Et c'est l'équipe qui déjà attend trois autres équipes qui ont venu là. Nous avons commencé une bataille. Nous avons une bataille, mais la bataille là, demain soir après le match, nous avons connu qui est passé pour la sélection nationale ici. Et puis nous avons tourné attention à l'engagement. Mes amis, Djokovic de Covid passe, nous avons massifié en vendre ici calé. Tiboy Sacre, le Stefanos Tsitsipas. Bon, même quand même prononcer, monsieur. Non, monsieur. Et bien, monsieur, match a fini 5 manches. Djokovic perdit 2 premiers manches. Donc, ouais, au cas où on a une question, il perdit 2 premiers manches. Mais monsieur, il y a un moral, monsieur. Oh. Et monsieur, il veut remporter le 3e match, pour aller manche, remporter le 4e, non, remporter le 5e, non. Et ça fait, monsieur, 19e titre. Tourna grand chelem que l'emporter donc on y a monsieur pral dégager là dans deux prochains tournois chelem qui était là yo n'a pas eu de tournoi de trouble non et puis tournoi de US Open là qui était là et puis pour monsieur s'il t'a égalisé avec Roger Federer et puis avec Rafael Nadal chaque monsieur a gagné 20 déjà donc si monsieur capable remporter deux prochains yo donc monsieur capable même passer devant bien remporter une et puis égaliser avec espoir que une dans eux deux a pas ta remporter prochain pour que au moins t'a gagné 20 t'a gagné 3 joueurs qui remporter 20 tournois tennis grand chelem et bien bon c'est ça hein? Et bien nous casser rendez-vous donc comme on dit nous donc pas oublier bon chez Pita et moi même moi j'étais bien content avec nous pendant la semaine qui passait. Donc j'attends le tunnel pour m'arrêter la cunia donc je change les chaises là pour la chaise par là et lit la cunia Zoya me dit j'ai à mettons l'autre Zoya pour lui donc tout va bien rangé donc c'est j'attends capable avec nous après midi et puis c'est mon petit tantôt la vigne dit nous salte régler pendant vacances là c'est même qu'on est qu'elle figue monsieur Fré donc à la Noël après monsieur Fré tout bon et tout ça où est son équipe en vacances même monsieur bien mangé bien reposé ouais. Non, donc, na wali, map kite nou men. Mwen, yon moun da geta fè tripote la. Wap pala avè lò wali. Donc, donc, tout moun la, Lionel nan kala tou. Donc, tout moun tout la, donc, choua ap la. Katre tapan. Facebook, en direct. Kosi fè komantèye toujou. Mwen, nap wèm sou tèt kala. Kote nan vitu wèm, nam gen lontan bat. Bayi jan tèt kala, yon diya map tèt nan basman yon diya. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, saluez-nous.